un petit épisode. Donc j'ai été nominée pour le gâteau défi par Orlox. Donc je pense qu'on va le faire aujourd'hui. On va essayer d'aller le plus vite possible. Donc j'ai fait créer un nouveau monde. Donc on va l'appeler gâteau défi. Hein. Gâteau défi. Voilà. Donc en survie, sans rien d'autre, hein, avec le type de monde par défaut, structure, non, oui, commande non, coffre bonus non, donc hop, c'est parti. On va essayer d'aller le plus vite possible. Donc pour rappel de craft du gâteau, donc il faut 3 seaux de lait, donc il va déjà nous falloir du fer. Du coup on va déjà commencer par miner un peu de bois. Allez hop. C'est parti, on va se faire les outils de base. Donc ensuite il nous faudra du blé. Donc le mieux ce serait de trouver un village. Après si on n'en trouve pas c'est pas grave, on essaiera d'en faire pousser. On essaiera d'avoir pas mal d'os, histoire d'aller un peu plus vite. Ensuite il va nous falloir des vaches du coup pour les seaux de lait. Donc ça en explorant un peu je pense qu'il y a moyen qu'on en trouve. Ensuite il nous faudra des œufs. Donc pour ça il va falloir qu'on reste pas trop loin de poulets, histoire d'avoir des petits œufs qui pondent. Donc enfin pour qu'ils pondent des œufs du moins. Hop, on va poser la table de craft, se faire au moins une pioche, une hache peut-être. Non la hache on s'en fiche. On va se faire une pioche au moins et puis une petite épée peut-être. Quoi qu'on la fera en pierre, après pour le moment on n'en a pas besoin. On va juste aller se miner un peu de pierre. C'est vrai que j'aurais pu faire une hache, bon c'est pas grave. Hop. Et ensuite il va nous falloir de la canne à sucre pour faire un peu de sucre. Alors on va essayer de pas mourir, surtout. Aïe, non c'est bon. Hop, hop, allez. On se mine 3 petites cobbles histoire de se faire même 5. Et 8 de plus pour le four. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, comme ça c'est fait. De toute façon, je pense qu'on en re-aura quand on ira miner. Hop, du coup, on va se faire une autre pioche en pierre. Hop, une petite épée, histoire d'être tranquille. Ah, il m'en manque 2 d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on les refera. On va se faire quand même une hache pour récupérer la table de craft un peu plus vite. Hop, voilà. Ensuite, on va aller se chercher une grotte, je pense. Un peu de nourriture quand même. Coucou les loulous. On va essayer de les éviter. Alors, voyons voir. Ça serait cool qu'on tombe sur une grotte assez rapidement. On va essayer de sortir de ce biome déjà. Ce serait cool. Ah, je vois une plaine là-bas, donc ça c'est cool. On va aller dans la plaine. Tiens, là il y a une grotte. Alors, j'ai le texture pack qui fait qu'on voit les... On voit dans les grottes, donc ça c'est cool. Ça évitera que je mette un peu de lumière. Yes, il y a plein de fer. Alors, il en faut combien? 3, 6, 9. Donc 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il y en a là-bas. On va essayer de ne pas se prendre des mobs. Là, ça va, il n'y a personne. Ils n'ont pas eu le temps de spawner. Hop, on va en reprendre un petit peu quand même. Au cas où. Hop, voilà. J'en ai combien? J'en ai 10. Bon, ça suffira. On va se prendre un peu de charbon aussi. Hop, pour pouvoir le faire cuire. Hop, hop. On a combien? 5, 6, 7. Voilà. Je pense que ça suffira. On va remonter du coup. Tac, tac. Est-ce qu'on n'aurait pas quelques petits squelettes correspondent? Non? Non. Ça n'a pas l'air. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il y aura la nuit. On va pouvoir se fighter un petit peu avec certains mobs. J'espère qu'il y aura quelques squelettes. Enfin, si on a le temps d'arriver jusqu'à la nuit, hein, ça c'est pas dit. Du coup, on va partir un peu en exploration. Ce serait cool qu'on tombe sur un village. Mais bon, on va essayer de pas trop espérer non plus. Alors, elle était où la plaine? Est-ce que je me suis pas trompée de côté? Si, c'est par là-bas.
Je préfère la plaine, au moins il y a un peu plus de visibilité. On risque de trouver un peu plus de vaches. Bah déjà, les vaches, il y en a là. De la canne à sucre, il y en a là. C'est parfait. Il manquerait plus qu'un village et on serait tout bénef. Hop, hop. Donc les vaches, c'est cool. On va tuer quelques cochons quand même, histoire d'avoir. Hop. Un peu de bouffe. On va garder les vaches. Au moins, on sait qu'il y en a là. Après, je pense qu'on en retrouvera. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, si jamais on n'en trouve pas, on saura qu'il y en a ici. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on se prend quelques moutons aussi, histoire d'avoir de la laine pour se faire un lit au cas où? Ça pourrait être pas mal, je pense. Allez, meurs. Un petit troisième. Hop, hop. Voilà. Bon, je pense que ça ira. On va commencer à aller chercher des petits poulets. Puis on va rester dans les coins, je pense. Hein. Ou alors. Ça aurait été cool qu'on ait un village dès le départ. Bon, faut pas trop rêver, je pense. Bon, bah, on va aller explorer un peu. Du coup, parce que là, ouais, on a le fer qu'il faudra faire cuire. On a la canne à sucre. Il nous manque les œufs et le blé. Ok, bon, et ben c'est parti. On va quand même prendre des graines au cas où. Hop, il nous en faut au moins 3. On en a 4. Ça devrait suffire. Hop, hop. On va essayer de se trouver des squelettes aussi. Je pense que si on trouve pas de village, on va se tuer quelques squelettes histoire d'être. Histoire de. Tiens, bah là, il y a des petits poulets. Du coup, je pense qu'on va rester par là. Ce serait cool. On va peut-être monter juste en haut de la montagne, histoire de voir un petit peu derrière si on trouve pas des choses. Et si on trouve rien, s'il n'y a pas de village à côté, plutôt que d'aller explorer à 40 km et de perdre notre chemin et de perdre du temps surtout, on va mettre le blé à pousser tout de suite. Comme ça, on sera bien. Donc, non, je ne vois rien. Après, peut-être par là-bas. Je sais pas. Bon, vous savez quoi? On va commencer à mettre le blé à pousser. Surtout qu'il y a de l'eau là juste à côté. C'est nickel. Après, est-ce que ça va pousser si. Si, normalement, ça pousse hein, même ici. Hein. Hop, parfait. Alors, on va se faire une petite table de craft avec la petite houe qui va bien. Hop. Est-ce que si je fais ça, ça pousse? Est-ce que si je fais ça. Ça va être. Allez, on plante tout ça. Oui, c'est bon, c'est irrigué. Cool. Du coup, on va garder les petits poulets pas loin. Comme ça, ils vont pouvoir nous faire des œufs. Parce que c'est tout ce qui nous manque au final. À part le blé. Mais le blé, ça va pousser petit à petit. S'il y a la nuit, on va se faire quelques petits squelettes. Histoire d'avoir quelques os pour faire pousser un peu plus vite. Je vous mettrai le chrono aussi en overlay. Parce que c'est vrai que j'en ai pas mis là. Donc je verrai pas le temps que je mets. 1, 2, 3, on va remettre encore un peu. Hop, plus vite, plus on en aura, plus vite ça poussera hein, de toute façon. Donc on a les petits poulets ici. On va aller reminer un peu de cobble parce que je crois que j'en aurai pas assez. On va se faire quelques fours. Hop, 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 hop. En fait, le gâteau des filles a été fait par un anglophone. Je me rappelle plus de son pseudo exact, je voudrais pas l'écorcher, je vous le mettrai dans la description. Et il a été repris du côté francophone par Steelhorse, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai tous les liens, toutes les vidéos, etc. dans la description. Et du coup, il va falloir que je nomine quelques personnes, donc 5 personnes, je crois. Je vais commencer par nominer bah, mon petit Zaka, hein, parce que bah voilà, je vois pas pourquoi il y échapperait. Ensuite, j'aimerais nominer Ger, parce que bah, c'est pas normal qu'il fasse pas de vidéo. Donc voilà, là au moins tu seras forcé de faire une vidéo. Bon après, si t'as pas envie, hein, tu le feras pas, mais voilà, ce serait cool que tu joues le jeu. Hop, on va se mettre quelques petits fours. 1, 2, 3, 4, hop. On va diviser ça en 4, nickel. Alors, hop, ça en 4 aussi, hop, nickel, hop. Nickel, nickel et nickel. Donc là, on aura nos petits seaux de lait. On va rester par là, du coup, pour que les petits poulets y pondent des œufs. Allez, pond un petit œuf, mon petit. Pond. Le blé, il pousse tranquillement. Voilà. Du coup, en autre personne que j'aimerais nominer, il y a mon petit chaos. Mon petit chaos technique chéri. Je sais que tu fais pas beaucoup de vanilla, que tu préfères le modder. Donc si tu veux, tu pourras le faire sur BTW. Mais je pense que tu prendras vraiment énormément de temps. Parce qu'avant de pouvoir trouver du fer, etc., ça serait galère. Donc,
Donc voilà, pour que ce soit plus simple pour toi, je pense que tu peux le faire en vanilla, même si je sais que t'es pas très fan du vanilla, mais au moins tu pourras le faire. Donc voilà, je te nomine aussi. Donc voilà. Et ensuite, je voulais nominer bah, Linkid, parce que donc qui est sur Ragnablock. Bah, parce que je l'aime bien mon petit Linkid. Et du coup, voilà, pour te faire une petite vidéo sur ta chaîne, voilà, je te propose de faire ce petit gâteau défi. Et je crois qu'il me manque une cinquième personne. Qui c'est que j'avais dit? Bah mon petit Pat. Mon petit Pat de retour. Mon petit Patlou. Qui est sur Skykit. Donc voilà. Je te nomine aussi pour faire ce gâteau défi. Donc j'espère que vous galérerez pas trop. Que vous m'en voudrez pas trop de vous avoir nominé. Voilà. J'ai trouvé ça assez cool. Je trouve ça assez rigolo comme concept. Donc voilà. Comme ça, vous pourrez poster ces vidéos-là sur votre chaîne. Voilà. Du coup, on va attendre que le blé pousse. Ça commence à bien pousser, c'est cool. Hop, il me reste encore une graine. On va la mettre à planter. Est-ce que mes petits poulets, ils auraient pas fait un peu de... Ah, ça a fini de cuire. Cool. On va faire cuire un petit peu de bouffe aussi. On va se faire les seaux. Et puis, on va se préparer au fight. Hop. Allez, hop. Tac. Nickel. Nickel. Hop. On va aller chercher du lait après. Hop, on va manger un petit coup. Allez, petit poulet, faites des œufs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On se dépêche, on se dépêche. Hop, nickel, nickel. Alors, allez, petit poulet. Donc, il y en a quelques-uns. Je pense que le temps d'aller retrouver les vaches, je pense qu'ils auront pondu, même si on reste pas trop dans la zone. On va essayer, si on trouve quelques squelettes, ce serait cool aussi. On va essayer de pas mourir quand même, hein, ce serait cool. Donc je suis bien normalement en difficulté normale, voilà. Donc ça c'est bon. Alors les petites vaches, elles étaient juste au-dessus, je crois. Elles étaient juste là derrière. Allez, allez. On se dépêche, on se dépêche. Ah, il y a déjà un squelette là-bas, ça c'est cool. Les zombies, ouais, on se les fera, mais... Ouais, on va se les faire d'ailleurs. De toute façon, on régène, donc c'est pas très grave si on se fait toucher. Allez, meurs, meurs, meurs. Ok, ça c'est bon. Par contre, les zombies, vous êtes un peu relous. Moi, je veux aller tuer le squelette qui est là-bas. Non, tu mourras pas. Viens là, viens là. Viens là, viens là, viens là, allez meurs. Ok. On a un os, ça c'est cool. Non, on va garder les seaux. Voilà, comme ça. Ok, on a les vaches qui sont là-bas. On va aller se les faire. Il y a un autre squelette là-bas. J'ai bien envie d'aller me le faire. Il y en a même deux, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors on va manger un petit coup avant, histoire de régène. Allez, venez là les squelettes. Oui, allez. Non, non. Non, non. Aïe. Non, non. Aïe. Oula, oula, oula. Oh non, je suis morte. Bon, on va essayer d'aller retrouver notre stuff. On était parti. Je sais plus par où. Oh mince. Bon, on était bien parti. J'ai pas fait attention à mes cœurs. Ils font si mal que ça, les squelettes, en fait. Ouh là 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 là. Il y en a un là. Ce serait bien qu'on arrive à ne pas remourir pendant la nuit, n'est-ce pas? Alors là, on a une forêt. On va aller voir de l'autre côté parce que je me rappelle pas avoir vu de forêt. Par là, il y avait quoi? Oh, ce serait tellement dommage de tout perdre. On avait tout en plus, hein. Il nous manquait juste le blé et les œufs. On va les retrouver. On va les retrouver. Moi, j'y crois. On n'était pas si loin. On n'était pas si loin. Il faut juste que je retrouve par où était la plaine. Ta 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 ta. Oh là là, on va perdre du temps juste pour ça, quoi. Donc non, c'est pas par là. Là-bas. 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 J'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Cool. Hop. Alors, le truc, c'est que va y avoir les squelettes au niveau de mon stuff. Alors, où est-ce que je suis morte après? Hein? C'était là.
C'était là, c'était là. Du coup, on va récup le stuff et on se casse. On se casse, on se casse. Aïe, non, 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 non. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Aïe. Ok, c'est bon, je me casse. Viens par là, viens par là. C'est tout ce que j'ai réussi à récup là? Oh là 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 là. Allez, viens par là. Non, non, vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas. Ok, j'ai le fer, j'ai tout. Oula, oula. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Ok, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. On a un logo de fer. C'est quoi ce beans? Ah bah oui, il nous manquait le reste. Ok, le zombie s'est fait. Là, on se fait toucher une fois par un squelette, on meurt. Alors, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs. Ok, on va récupérer notre stuff. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, vite, il nous faut de la bouffe pour régène. Ok, on peut se casser, on se casse, on se casse, on se casse. Normalement, ouais, j'ai la bouffe, on va régène. Vite, vite, vite. Je crois pas que j'ai tout récup. Ah, la petite araignée. Oui, c'est bon, elle est morte. Ok. Alors, il nous manquait. Non, c'est bon. Ok, on a tout. On va chercher les vaches. Où elles étaient les vaches? Là-bas. Il y a des vaches là-bas. Ok, on a un os, c'est tout. Ok, bon, c'est pas grave. C'est toujours mieux que rien. Le loulou, normalement, il devrait pas nous embêter. On va se prendre les 3 seaux de lait quand même. Allez, on se dépêche. On évite les mobs. 1, 2, 3, c'est parfait. On retourne vers nos petits poulets. On va se faire une petite cage tranquillou dans la montagne, histoire de pas trop mourir. Oh, cool. On a plein de moutons crus. Oula, oula, oula. Je m'en vais, je m'en vais. Ciao, ciao, ciao. Ok, il y a encore un squelette là-bas, mais j'ai pas vraiment envie d'aller me frotter à lui. À la limite, s'il y en a un là-bas, ce sera cool, mais. Si on en a pas, on va éviter. Alors, j'espère que j'aurai pas trop trop perdu de temps avec toutes ces bêtises. Ok, on a un monsieur zombie par là. Viens là. Viens là. Meurs. Hop, c'est cool. Ok, alors, voyons voir. On a encore une côte de porc. On va mettre à cuire ça aussi. Ah, si, c'est bon. On a encore tout ça. Cool. Allez, petit poulet, ponde. Pondez, pondez, pondez. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui aurait pondu là-haut? Des fois que. On va quand même garder notre hache sur nous, histoire de se protéger si jamais il y a un mob. Non, toi, t'as pas pondu. Est-ce que j'aurais pas des graines? Si, j'ai des graines. Oh, si! Yes, il y a un œuf là. Alors, il nous en faut deux, je crois. Hein. Est-ce qu'ils pondent des œufs si on les nourrit? Je crois pas. Hein. On va essayer de nourrir l'autre. Allez, viens par là, toi. Viens, viens, petit poulet, viens. Viens par là, petit poulet, petit poulet. Ok, lui là-bas, il nous a vus. On va quand même essayer de faire un peu pousser du blé. Allez, toi, viens par ici. Ok, toi, c'est bon. Il y aurait pas un petit squelette dans les coins? Non. Bon. Alors, déjà, toi, tu pousses. Yes. Toi, tu pousses. Ok. Il nous en faut un troisième. Oh là là, j'ai pas assez d'os. Il me faudrait un peu plus d'os. Bon, c'est pas grave. On va se faire au moins le sucre. Et il me semble qu'il me faut un deuxième œuf. Hein. J'ai pas deux œufs, malheureusement. Est-ce que toi là-haut, t'aurais pas pondu? Touc, touc. Tu veux pas pondre? Eh oh, petit poulet. Pond, s'il te plaît. Bon, on va essayer de voir si on n'en trouve pas d'autres. Il me semble que c'est deux œufs, hein. Ou alors c'est deux sucres? Oh, je sais plus. Viens par là, toi, petit squelette. Yes! On a eu deux os. Cool. On va pouvoir faire pousser le blé. Ça, c'est cool. Hop, allez, 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 allez. Allez, petit poulet, pondez, s'il vous plaît. Bon, ils veulent pas pondre. L'araignée. Tu vas mourir. Ok, le zombie, tu meurs aussi. Hop, voilà, c'est bon. On va se faire de la bonne mille. Tac, tac. Alors déjà, toi, on te récupère.
toi tu pousses, ok, on a nos 3 de blé, ça c'est cool. Alors du coup, si je dis pas de bêtises, on a les 3 seaux de lait, ouais, c'est bon. Ensuite, on a l'œuf, les 3 blés en bas, et je sais plus si c'est 2 œufs ou 2 sucres. Oh oui, on l'a, on l'a, on l'a, yes! On a le petit gâteau, on a réussi à finir le petit... Le défi, donc j'espère que j'aurai pas mis trop de temps, je n'ai pas du tout regardé. On verra bien, vous aurez le petit chrono au-dessus de ma tête, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai un petit peu galéré, on aurait eu une mort au compteur, mais on n'était pas si loin, donc on aura réussi à retrouver notre stuff sans remourir en pleine nuit, donc ça c'est assez cool. Donc voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, partager, commenter, tout ça, vous abonner, etc. Et puis, ben, moi, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur une de mes séries sur la chaîne. Donc, ciao!